Au regard du fait que les opérateurs sont les premiers acteurs en matière de publicité par voie électronique, lors de l'attribution des licences technologiquement neutres en 2019, nous avons mis dans le cahier des charges des opérateurs la disposition qui se trouvait dans la loi 45 pour pouvoir avoir la main sur cette obligation en matière de publicité par voie électronique. Et donc, la disposition dit en clair que pour envoyer de la publicité par voie électronique à un abonné, il faut recueillir par principe son consentement. Alors, la loi a prévu une exception. La loi dit que vous pouvez lui envoyer des publicités si vous avez recueilli ses coordonnées dans le cadre de la vente d'un produit ou de la fourniture d'un service. Mais à condition que, au moment où les données sont recueillies, que l'opérateur prenne le soin de vous dire que vos coordonnées seront utilisées pour vous envoyer des messages publicitaires, et à condition aussi que l'opérateur mette en place un dispositif vous permettant de refuser de recevoir les messages publicitaires. Donc, à partir de 2019, c'est-à-dire l'attribution de licences technologiquement neutres, la CEP, donc, pour avoir introduit cette obligation dans le cahier de charges, a donc la possibilité donc, de contrôler les opérateurs sur cette obligation. Et c'est ce qui a été fait récemment. Tous les trois opérateurs ont été mis en demeure parce que quand on a contrôlé, on a vu qu'il y a des dispositions qui ne sont pas respectées, notamment le fait de mettre à la disposition de l'abonné un mécanisme pour lui permettre de refuser de recevoir les messages publicitaires. Donc, ils ont été mis en demeure. Je pense que la mise en demeure a pris fin hier. Et donc, ça veut dire que si on repart sur le terrain à partir de ce 1er août, on doit constater que ces manquements qui ont été constatés ont été corrigés. Et donc, nous allons donc procéder à cette vérification pour s'assurer donc que les manquements ont été levés. Donc, voici ce que je pouvais dire par rapport à ce point.